troisième édition du marathon de la presse du Lualaba. Cette fois-ci, le chevalier de la plume et du micro ont effectué une excursion au village Mpouine où tous ont parcouru quelques kilomètres à pied. Parmi eux, le journaliste de Palmier Télévision. Pour l'initiateur du dit marathon Jules Odima de reconnaître la part de tous ses confrères journalistes dans la réussite de cet événement. Dans des moments comme ça, on peut avoir beaucoup de choses à dire, mais tellement que je suis émotionné par cette foule, par cette minute, par cette minute, je ne sais pas comment te dire à part merci. Moment de détente et de consolidation de la confrérie, alors que tous installés aux abords du Lualaba, plusieurs discours ont fait part de cette journée récréative. Entre autres, celui de l'UNPC, du comité du journaliste sportif du Lualaba, ainsi que d'autres partenaires de l'événement. Félicitons aussi les organisateurs et nous saluons aussi cette initiative qui vise l'encadrement de journalistes en dehors de leurs médias respectifs. Ces derniers se retrouvent dans un lieu pour tout propice pour les journalistes, une manière pour eux de renforcer leur lien d'amitié, des collaborations et surtout beaucoup plus la fraternité. Je vous félicite parce que vous avez tous marché, vous avez tous pratiqué un exercice physique, étant donné que la marche, qui fait partie de l'athlétisme, c'est la mère de tous les sports. En tout cas, courage et félicitations à tout le monde. Sur ces sites, plusieurs activités y ont été organisées pour l'occasion. Outre la prestation de quelques artistes humoristes, l'agrémentation musicale n'était pas du reste. De la marche à la détente, du tourisme à la découverte, le cap est mis sur la quatrième édition.